Enregistrer. C'est parti. Allez, en place pour tout le monde. Donc, je sais que la plupart des gens ont coupé leur vidéo. Donc, les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Déverrouillez vos genoux, baissez vos épaules, engagez votre périnée, vos transverses. Allongez votre nuque, inspirez. Et à l'expiration, vous allez venir enrouler votre colonne vertèbre par vertèbre. Laissez partir le poids du corps vers l'avant. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Inspirez en bas. Expirez, déroulez. Vertèbre par vertèbre, vous remontez tout doucement en poussant toujours le nombril vers la colonne engagée, périnée, transverse. Inspirez, montez les deux bras vers les oreilles. Expirez, montez sur demi-pointe. Inspirez, redescendez sur les pieds, ramenez les bras à hauteur des épaules. Expirez, pivotez le buste vers la droite, gardez le bassin face. Inspirez à nouveau, revenez de face. Expirez, pivotez de l'autre côté, soufflez. Serrez le nombril vers la colonne. Inspirez, revenez de face. Expirez, fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière, descendez en squat. Inspirez, remontez, bras le long du corps, gardez les genoux souples, expirez, inclinez le buste sur le côté. Inspirez, remontez. Expirez, inclinez de l'autre côté, prenez le temps, travaillez sur votre respiration, inspiration, redressez et reprenez l'ensemble. Enroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, poids du corps vers l'avant, fléchissez légèrement les genoux et enroulez. Inspirez en bas. Expirez, remontez. Vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne. Inspirez, montez les bras aux oreilles. Expirez, montez sur demi-pointe. Cherchez à vous grandir toujours. Gardez le périnée, les transverses engagés. Inspirez dans les côtes, reposez les pieds au sol. Ramenez les bras à hauteur des épaules. Expirez, tournez le buste sur la droite. Les deux bras restent à hauteur des épaules et parallèles. Inspirez, revenez de face. Expirez, tournez de l'autre côté, soufflez. Et revenez en inspirant. Expirez, fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière. Inspirez, remontez. Expirez, inclinez le buste sur le côté, laissez descendre dans l'axe du buste. Inspirez, redressez. Expirez, descendez de l'autre côté. Inspirez. Et troisième fois, enroulez, montons poitrine, laissez partir le poids du corps vers l'avant. Inspirez en bas. Expirez, déroulez, vertèbre par vertèbre, remontez. Inspirez, montez les bras aux oreilles. Expirez, montez sur demi-pointe. Poussez toujours le nombril vers la colonne, gardez le dos droit. Inspirez, reposez les pieds au sol, ramenez les bras à hauteur des épaules. Et soufflez, pivotez le buste d'un côté. Inspirez, revenez de face. Expirez, tournez de l'autre côté. Inspirez. Squat, fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière, poids du corps sur les talons, bras à hauteur des épaules. Inspirez, remontez, bras le long du corps, allongez la nuque. Expirez, inclinez le buste d'un côté. Gardez le buste dans l'axe du bassin. Inspirez, remontez. Expirez, descendez de l'autre côté. Inspirez. Trois dernières fois, on enroule, menton, poitrine, on descend. Relâchez la tête et les épaules. Inspirez. Expirez, remontez toujours en poussant le nombril sur la colonne. Terminez par les épaules et la nuque. Inspirez, montez les bras à hauteur des épaules.
Expirez, montez sur demi-pointe. Inspirez, ramenez les mains devant vous. Posez les pieds au sol, soufflez, pivotez le buste. Inspirez, revenez de face. Expirez, tournez de l'autre côté. Inspirez, revenez à nouveau de face. Fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière. Inspirez, remontez bras le long du corps. Expirez, inclinez le buste sur le côté. Inspirez, remontez. Expirez, descendez de l'autre côté. Inspirez, remontez. Et enroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour descendre sur votre tapis. Inspirez, fléchissez les genoux et posez les genoux au sol. Venez vous positionner à quatre pattes. Le dos bien à plat, les mains écartées sous les épaules, les genoux écartés sous les hanches, la nuque est longue, les lignes transverses engagées, inspirez. Expirez, allongez bras droit, jambe gauche dans le prolongement du buste. Inspirez. Alternez main gauche, jambe droite. Repoussez-vous du sol. Et ramenez. Travaillez sur le rythme de votre respiration. Deuxième fois. Inspirez. Et on ramène. Troisième fois. Expirez, allongez le bras. Allongez votre jambe jusqu'au bout de la pointe de pied. Inspirez, ramenez. Et même chose de l'autre côté. Verrouillez le bassin à l'aide de vos transverses et de votre périnée. Inspirez dans les côtes. Quatrième fois. Soufflez, allongez. Inspirez, ramenez. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez. Cinquième fois. Soufflez. Inspirez. Expirez, allongez. Inspirez, encore deux fois de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez, soufflez, grandissez-vous, repoussez-vous du sol. Inspirez, ramenez, dernière fois de chaque côté, soufflez, allongez. Et dernière fois, à gauche. Bras gauche, jambe droite. Inspirez. Posez les fesses sur les talons. Allongez le buste sur les cuisses. Revenez vous mettre cette fois-ci en appui sur les coudes, sur le côté. Même position pour tout le monde. Les bras à plat au sol, l'épaule sous le coude, au-dessus même du coude, le bras long du corps. Expirez, montez, allongez la jambe dans le prolongement du buste. Inspirez, regroupez, reposez. Et deux, soufflez. Ne laissez pas partir votre jambe en arrière ni en avant. Allongez votre colonne. 3. Repoussez-vous du sol. 4. 5. 6e, engagez toujours, repoussez-vous, allongez-vous jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils.
7. Repoussez-vous de votre coude 8. Neuf. Et la dernière, 10. Ramenez la jambe de sol vers l'avant, redressez-vous et montez le bras qui était au sol à l'oreille. Venez étirer le côté qui vient de travailler. Inspirez, revenez et changez de côté. Même chose, on appuie sur le coude. Épaule au-dessus du coude, nuque longue, bras le long du corps, ramenez les talons vers les fesses, engagez périnée transverse. Expirez, montez, allongez la jambe dans le prolongement du buste. Inspirez, redescendez. Périnée transverse engagée. Deuxième, soufflez. Trois. Inspirez. Retenez la descente. Quatre. Cinq. Six. Expirez. Repoussez le coude vers le genou. Sept. Tonique jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Redressez-vous, amenez le pied devant vous, montez le bras à l'oreille, étirez le côté qui vient de travailler. Redressez-vous et venez vous asseoir à l'avant de votre tapis dans la longueur de votre tapis. Redressez-vous, allongez les jambes, bras tendus devant vous à hauteur des épaules, engagez périnée transverse, inspirez, on enchaîne avec le roll-up. Expirez, enroulez vertèbre par vertèbre, laissez descendre le buste sur le sol. Inspirez, montez les bras aux oreilles. Expirez, remontez le regard loin devant, poussez le nombril sur la colonne, ne laissez pas le ventre sortir, allez chercher un petit peu plus loin que l'horizontale, que la verticale, pardon. Et inspirez, redressez-vous. Deuxième fois, expirez. Expirez à nouveau pour remonter, serrez le ventre, engagez périnée transverse, respirez dans les côtes. Trois. Gardez les bras tendus, n'allez pas chercher trop loin en arrière, mais gardez les bras parallèles aux jambes. Inspirez, grandissez-vous, baissez les épaules. Quatrième, soufflez, enroulez, vertèbre par vertèbre, retenez la descente. Inspirez, montez les bras vers les oreilles. Expirez, enroulez, montons poitrine, le regard loin devant, poussez le nombril sur la colonne et allongez vers l'avant. Et cinq, on continue.
Et on remonte. Et sixième, toujours engagé, périnée transverse, laissez descendre vertèbre par vertèbre, retenez la descente à l'aide de vos transverses. Sept. Huitième, continuez à descendre vertèbre par vertèbre. Gardez le périnée des transverses engagés. Et on remonte. Allez, encore deux fois. Expirez. Inspirez. Expirez, remontez. Dernière fois, on souffle, on enroule vertèbre par vertèbre, on descend. On inspire. Et on expire, on remonte. Expirez, relâchez les bras. Je remets de face, restez dans la même position. Peu importe, grandissez-vous. Le spine twist, soit les genoux en posture de diamant, soit les jambes tendues. On se grandit, on inspire. À l'expiration, ouvrez le bras droit, pivotez le buste et suivez votre main du regard. Grandissez-vous. Inspirez, revenez de face. Et même chose à gauche. Tournez, soufflez. Inspirez, revenez. Deuxième, soufflez. Cherchez à vous grandir. Inspirez. Trois. Conservez l'engagement au niveau périnée transverse. Cherchez à vous grandir. Gardez les épaules basses. Quatrième fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore trois fois de chaque côté, on va jusqu'à 7, on se grandit. Et on inspire, on souffle, fluide toujours au niveau des respirations. Cinquième, soufflez. Allez, deux fois encore de chaque côté. Six. Dernière fois, toujours engagé, périnée transverse, allongez la nuque. Repoussez-vous du sol en appui sur les ischions. Inspirez et relâchez les épaules. Soufflez, je me remets dans la longueur de mon tapis. J'allonge mes jambes, les bras tendus devant moi. J'inspire et à nouveau, on enroule la colonne, on descend sur le dos. On ramène les bras le long du corps, on pose les genoux fléchis, pieds à plat. Allongez votre nuque. Engagez périnée transverse, bassin en position neutre, amenez
une jambe, puis la deuxième en chaise renversée. Le hundred, option 1, on reste dans cette position sur 10 cycles respiratoires. Option numéro 2, les bras parallèles au corps, jambes en chaise renversée. On rajoute 10 mouvements de bras sur un cycle respiratoire. 5 à l'expiration et 5 à l'inspiration. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Souffle. Inspire. Sept. Suite, le mouvement par les bras. 9. 10. Donc, stabiliser. Si besoin, reposer la tête au sol et les pieds. On enchaîne avec le single leg stretch. Les deux bras montent tendus de chaque côté des genoux. Soit la tête est posée. Soit la tête est décollée. À l'expiration, allongez une jambe, amenez le bras à l'oreille. Inspirez, regroupez. Et même chose de l'autre côté. 1. Lentement, on va chercher l'extension complète de la jambe. On reste tonique jusqu'au bout des doigts. 2. Si vous sentez votre cou faiblir, n'hésitez pas à reposer la tête si la tête est décollée. Engagez, périnée transverse. 3. 4. 4. Respirez toujours lentement et profondément. Ramenez le nombril vers la colonne. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Reposez la tête si elle était en l'air. Reposez les bras, puis les pieds, l'un après l'autre au sol. Conservez l'engagement, le bassin en position neutre. Shoulder bridge. À l'expiration, enroulez le bassin. Carré les lombaires au sol, serrez les fesses. Montez, alignez les genoux, hanches, épaules. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, gardez les bras en l'air, reposez vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Inspirez, ramenez les bras. Deuxième, enroulez. Inspirez, montez les mains. Bras tendus, expirez, enroulez le bassin, vertèbre par vertèbre, reposez le dos au sol, libérez en fin de mouvement. Inspirez, ramenez les bras. 3. 4. Inspirez. Quatrième, soufflez, enroulez bassin. Expirez, redescendez.
Cinq, encore trois fois. Sixième, enroulez, montez. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez vertèbre par vertèbre. Inspirez, ramenez les bras le long du corps. Septième et dernière fois. Expirez. Inspirez. Allongez vos jambes dans le prolongement de votre buste et pivotez sur le côté. Bras tendus dans le prolongement du buste au sol sous l'oreille. La deuxième main soit devant, ici juste le bout des doigts pour l'équilibre. Sinon, tendu le long du corps. Écartez les deux jambes, largeur du bassin. Allongez les pointes de pied. À l'expiration, sans fléchir les genoux, vous avancez la jambe de terre et vous reculez la jambe de ciel. Ciseaux. Inspirez, revenez. Et refaites la même chose 10 fois. On ne change pas. C'est la jambe de terre qui avance et la jambe de ciel qui recule. 3. Conservez l'engagement périnée transverse toujours. Protégez votre dos. N'allez pas chercher trop loin en arrière ni trop loin en avant. 4. Cinq, six, sept, huit. 9, 10, 10. Reposez les pieds, restez dans cette posture, on enchaîne avec le side lift, la main de ciel va glisser le long de la cuisse, venir, le regard va se porter au-dessus et on va chercher à décoller le buste, et on inspire, on repose. 2. Expirez, décollez légèrement le haut du buste du sol, laissez glisser la main le long de la jambe, et inspirez. 3. Conservez l'engagement périnée transverse pour votre équilibre. Si l'équilibre est fragile, alors vous pouvez tout de même maintenir la main devant ici, sans vous appuyer dessus, je ne m'en sers pas, il y en a juste pour mon équilibre. 4. 5. Grandissez-vous toujours. 6. 7. 8, 9, 10. Ramenez les genoux sur la poitrine, soufflez 2 petites secondes. Puis passer de l'autre côté. Même position, même posture, même exercice.
Les épaules sont basses, la nuque est longue. Si l'équilibre est fragile, venez poser le bout des doigts devant. Sinon, le long de votre corps. Écartez les deux jambes, largeur du bassin. Expirez, avancez la jambe de terre, reculez la jambe de ciel. Inspirez, ramenez les deux jambes dans l'axe du bassin. Deux. Inspirez. Trois. Grandissez-vous. Quatre. Serrez votre ventre et baissez vos épaules. 5. Allongez jusqu'au bout des orteils. 6. 7. 8. 9. Expirez toujours en rame dans le nombril vers la colonne. Engagez périnée et transverse. Respirez dans les côtes. 10. Et reposez doucement. Gardez la posture. Même chose, la main peut rester devant ici pour l'équilibre, à condition de ne pas s'appuyer dessus. Le side lift, à l'expiration, glissez la main le long de la cuisse, décollez légèrement le haut du buste et portez le regard au-dessus de l'épaule. Inspirez, redescendez. Deux. Trois. Gardez les jambes bien dans le prolongement du buste, ni en avant ni en arrière. 4. 5. 6. 7, toujours bien engagé. Prenez le temps. 8. 9. Et dernière fois. 10. Relâchez doucement les genoux, relâchez la tête et basculez ensuite sur le ventre. On enchaîne avec le swimming. Les deux bras tendus dans le prolongement des épaules. Baissez les épaules, portez votre tête, le regard entre les mains engagées. Périnée transverse, serrez les fesses, allongez les jambes. Inspirez. À l'expiration, décollez le bras droit et la jambe gauche. Inspirez, reposez. Et changez de côté. Toujours au rythme de votre respiration, ramenez le nombril vers la colonne, ne laissez pas votre ventre tomber sur le sol. Deux. Troisième fois. Ne bloquez pas votre respiration. Expirez, allongez. Inspirez, reposez. Quatre. 5.
6. Gardez les jambes toniques. Les fessiers engagés. 7. Ne fléchissez pas les genoux. Expirez. Inspirez. 8. Encore deux fois de chaque côté. 9. Dernière. 10. Reposez. Allongez la nuque. Ramenez les bras en chandelier, en ouverture de chaque côté du tapis. Les avant-bras posés au sol. Relâchez les fesses. Laissez partir les talons vers l'extérieur. Inspirez, engagez périnée transverse. À l'expiration, décollez le haut du corps, la tête, la poitrine et les avant-bras. Inspirez, reposez. Deuxième. Ne tirez pas la tête en arrière, gardez la tête dans le prolongement du dos. 3. Quatre. Voilà, prenez votre temps. 5. Six. Sept. Huit. Neuf. Dernière. Et 10. Placez les mains sous les épaules. Venez étirer votre dos. Posez les fesses sur les talons. Allongez le buste. Venez vous positionner à quatre pattes. Les mains à plat sur le tapis, écartez largeur des épaules. Le dos est plat, périnée transverse engagée. On enchaîne avec le gainage, le leg pull prone. Venez planter une pointe de pied dans le tapis. Inspirez. Expirez, allongez la deuxième jambe dans le prolongement du buste. Largeur du bassin et maintenez sur 10 cycles respiratoires. Deux. Gardez le ventre serré, repoussez-vous du sol. 3. 4. 5. Attention à votre dos. Si c'est trop dur, remontez un peu les fesses. 6. 7. 8. 9. 10. Reposez les genoux. Étirez à nouveau votre colonne. Déroulez, venez vous mettre debout
sur votre tapis et sur les genoux, pardon. Restez sur le tapis, je me mets face à la caméra. Allongez une jambe sur le côté. Le buste reste au-dessus de la hanche. La hanche reste au-dessus du genou. La main passe sur la taille. On ouvre le bras sur le côté, on vient chercher le sol. Ne laissez pas partir votre hanche. Gardez le bassin au-dessus du genou. Expirez, montez. Inspirez, reposez. Deux. Restez engagé, toujours périnée transverse. Trois. Quatre. Placez le mal de mouvement sur votre respiration. On monte à l'expiration. On descend sur l'inspiration. Cinq. Six. Allez tout le monde. Courage. Continuez. 7. 8. 9. 10. Redressez-vous, ramenez le genou. Même chose de l'autre côté. Ouvrez la jambe, placez la main sur la hanche, ouvrez le bras, amenez la main au sol, alignez main, genou, pied, épaule, hanche, genou. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Deux. Engagez périnée transverse toujours. Ne laissez pas partir le poids du corps sur la main. 3. 4. 5. 6. 7, 8, allez chercher le plus haut possible, allongez la jambe, 9, 10, redressez-vous, ramenez, posez les fesses sur les talons, allongez le buste à nouveau pour relâcher votre bas du dos. Déroulez. Venez vous rasseoir. Jambes tendues devant vous, amenez les deux bras à hauteur des épaules, engagez périnée transverse, expirez, descendez sur le dos. Ramenez les bras le long du corps, posez les pieds. On continue ici avec les ciseaux. Amenez, après avoir engagé périnée transverse, les genoux en chaise renversée. Option 1, la tête est décollée. Option 1, la tête est posée. Option 2, la tête est décollée. Le mouvement part de la hanche. On souffle, on ouvre la pointe de pied vers le sol. On vient chercher vers l'avant. On inspire, on remonte. Et on change. Et deux. Conservez l'engagement périnée transverse. Ne laissez pas votre bassin se balancer d'avant en arrière. Trois. L'angle de votre genou est fixe. Encore une fois, si vous avez la tête décollée, que ça tire trop dans le cou, n'hésitez pas à reposer la tête. 4.
5. Six, sept, huit, équilibrer l'expiration et l'inspiration, encore deux de chaque côté. Neuf, et 10, reposez la tête si vous aviez la tête décollée, reposez les pieds l'un après l'autre, récupérez. On va enchaîner avec le double leg stretch, même principe, chaise renversée, engagez périnée transverse, amenez les jambes. Option 1, la tête est posée au sol, les deux bras ramenés de chaque côté des genoux. À l'expiration, on amène les deux bras aux oreilles et on tend une jambe. Inspirez, ramenez. Option 2, même chose avec la tête décollée. Et on est parti ensemble. Inspirez, ramenez. Deux. Prenez le temps. Tenez vos jambes en chaise renversée. Ne les laissez pas tomber. Ne laissez pas votre bassin se balancer. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez tout le monde. On lâche rien, on va jusqu'au bout. Huit. Neuf. Et 10, reposez la tête, ramenez les genoux sur la poitrine, soufflez, reposez les pieds au sol. On continue avec le rollover. Bras le long du corps, on amène les genoux en chaise renversée. On vient croiser les jambes l'une au-dessus de l'autre. On inspire et en soufflant, on ramène les genoux au-dessus de la tête. On inspire, on change les jambes. On expire, on redescend vertèbre par vertèbre, les pieds toujours croisés. Et on reste sans changer. Et on remonte. Deux. Inspirez, changez. Expirez, revenez. Trois. Quatre. Ne lancez pas vos jambes, travaillez vraiment avec le bas de vos abdominaux et vos cuisses. Expirez, redescendez. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, les bras le long du corps, alors vous pouvez le faire avec les bras aux oreilles. Cinq.
6. Retenez la descente avec vos transverses et votre périnée. 8. Dernière. 6 en chaise renversée, reposez les pieds au sol, allongez vos jambes dans le prolongement de votre buste, les deux bras tendus au-dessus des épaules, inspirez, montez les bras aux oreilles, expirez, venez vous rasseoir, je reviens face caméra, les jambes écartées, largeur des épaules. On enchaîne avec le saut. Montez les bras aux oreilles, aux épaules, pardon, inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, pivotez, plongez la main droite vers le pied gauche. Regard sous les selles arrière. Inspirez, remontez. Et changez de côté. Poussez le lombalis sur la colonne, allez chercher loin devant. Et inspirez. Gardez les bras à hauteur des épaules, ne laissez pas tomber votre main, ouvrez, soufflez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspirez et relâchez. Basculez sur le côté. Venez vous mettre à quatre pattes. Allongez les mains de chaque côté du tapis. Le buste dans le prolongement du bassin. Pointe de pied plantée dans le sol. Deux options pour les pompes. On inspire, genou fléchi au sol. On fléchit les coudes. On souffle, on remonte. Ou bien la même chose sur les pieds. On inspire. Et on souffle. Faites attention de ne pas creuser le bas du dos. Et on inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et reposez. Allongez la colonne. Déroulez votre dos, venez vous mettre debout sur vos genoux. Avancez un pied loin devant.
et venez vous mettre en étirement. Le pied reste bien à l'avant, plus loin que le genou. On laisse descendre le bassin vers le sol. Respirez profondément et calmement. Posez le ventre sur la cuisse. Poussez sur le pied avant. Laissez pousser les fesses vers l'arrière et cherchez à tendre votre jambe. Ne la tendez pas. Gardez le ventre collé dessus. Étirez l'arrière de la cuisse. Relâchez votre tête. Fléchissez doucement le genou, reposez le pied au sol, redressez le buste et ramenez la jambe. Même chose de l'autre côté. Le pied loin devant, on laisse descendre le bassin vers le sol. Respirez. Ramenez le buste sur la cuisse et cherchez à tendre votre jambe. Relâchez la tête. Fléchissez le genou doucement, ramenez un petit peu le pied. Pointe de pied en arrière, posez, redressez, ramenez les pieds joints et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre pour vous remettre debout. Écartez les deux pieds, largeur des épaules et balancez-vous de droite à gauche et de gauche à droite. Revenez face. Inspirez, montez les deux bras aux oreilles. Grandissez-vous et lâchez les bras. Encore une fois, inspirez, montez les deux bras. Et relâchez le buste en soufflant. Et déroulez vertèbre par vertèbre toute votre colonne. Merci à toutes et à tous. J'espère que ce cours vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. C'était top. Super. Ouais. Des courbatures demain, hein, je crois.